Mes chers fées, je vous ai convoqués car l'heure est grave. Dans 5 jours, notre belle au bois dormant aura dormi 100 ans. Si aucun prince ne vient la réveiller, elle disparaîtra. Blondine et Mélusine, vous allez aller chercher ce prince à Paris, ville des amours. Paris, c'est génial. Regarde, il y en a 2 là. Puis lui là. Mon Dieu, ça va être tellement facile. Beau, évidemment. Courageux. Savez-vous monter à cheval? Oui. Pourquoi? Un sportif. Intelligent. Un sportif intelligent. Wow! Il y a carrément un parc! Avec des princes! En plus, ils ont des numéros, c'est pratique. C'est quoi ça? C'est de la soie. Alors, un homme qui aime les hommes, ça peut pas le faire. Je suis très déçu. Il y a quoi? On vous a confié une mission et tout le monde compte sur vous, je vous rappelle. C'est qu'on cherche un prince pour... Il n'y a pas de prince ici, il y a juste des gros débiles. Non mais putain, c'est quoi le plan à la fin? Il n'y a pas de fée au supermarché. C'est une légende, ça n'existe pas vraiment. Donc, mon frère, Guillaume, Blondine et Mélusine. Oh, enchanté, Guillaume. Enchanté, Guillaume. J'ai envie de voyager, d'avoir des enfants, de faire partie du vrai monde. Pas toi. Où sont les princes? Les princes? Les princes? Où sont les princes? Oh my God! Il vous reste 2 jours. Alors, on envoie maintenant! Mais si personne réveille la belle, on va tous crever! Belle ou à demain? Photo? Non, pas photo, bisous! Comment on va faire? On trouvera jamais, il y en a plus de prince! Fermez-leur la tour Eiffel!